RTL 2. Charlie Winston est avec nous. Tout à l'heure, il aura le plaisir, en tout cas pour nous, on aura le plaisir d'écouter son nouveau single. Mais pour l'instant, Charlie est animateur. You're a DJ on RTL 2. Et c'est toi qui fais le journal de la musique, ok? Ok, here we go. Guns N' Roses, visiblement, l'ambiance est meilleure. Oui! La deuxième partie de la tournée Not In This Lifetime Tour a débuté à Berlin dimanche soir. Et le groupe a repris sur scène une chanson de Velvet Revolver. Et c'est un fait assez exceptionnel pour être noté, puisque Velvet Revolver est le groupe monté par Slash et Duff McKagan des Guns N' Roses après de nombreux désaccords avec les deux autres, Axl Rose et Scott Weiland. Et pour le premier album du groupe, porté par cette chanson, Slither, ça les avait amenés à remporter un Grammy Award. C'est dire si l'ego d'Axl Rose va quand même beaucoup mieux pour chanter cette chanson-là sur scène. Ils joueront d'ailleurs au Download Festival le 18 juin et le 26 juin à Bordeaux. On verra s'ils en reprendront d'autres. Ouais, l'ego, le porte-monnaie. On continue ? Oui, Chris joue live pour la première fois chez Jules Holland. Et c'était beau. Héloïse Letissier est bien loin, elle est barrée, elle est cachée, comme le Teen and the Queens. Et en fait, c'est en tant que Chris, tout simplement, qu'elle est venue présenter en live son single chez Jules Holland, l'icône des émissions live de la BBC. Donc, nouveau visage, nouveau look, cheveux courts. Chris est entre le chant et le rap. Elle danse entre Michael Jackson et de la danse contemporaine. La chorégraphie est franche, parfois sèche, tantôt sensuelle, tantôt agressive. Elle est homme en restant femme. Ça promet de très très beaux concerts ou même carrément des spectacles, on peut dire ça. Là, c'est la vidéo du jour, sans aucun doute, qu'on va vous tweeter. Merci Mathilde. Charlie, t'écoutes un peu de la chanson française? Tu écoutes la musique française? Oui, quelquefois. Ouais. J'ai des vinyles aussi des chanteurs français. C'est vrai, y compris des grands classiques de la chanson française, des vieux chanteurs. Oui, récemment, j'ai dans un petit marché, dans un village, j'ai acheté un vinyle très très vieux. Il y a des chansons que j'aime, il y a des chansons que j'aime pas. Bah oui, c'est normal. Charlie Winston est avec nous, c'est un plaisir de t'avoir comme animateur et tout à l'heure comme chanteur. Vous êtes sur RTL2, c'est le Drive. Et c'est reparti avec Pink Floyd. Another Brick in the Wall sur RTL2. Merci de nous retrouver si vous arrivez sur le Drive RTL2. Depuis 18h, nous avons un DJ en plus, mais surtout un sublime chanteur qui est à nos côtés, c'est Charlie Winston. Le single sort vendredi en exclusivité, il est sur RTL2, tu nous le fais. Guitare, voix, Charlie Winston, The Weeknd. Turn the volume up, let the rhythm kick in. The week is out, the day is done. I've worked so damn hard like a dog digging for bones in the backyard. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we just dance, do 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 do. On the weekend we just dance, do 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 do. On the weekend we just dance, do 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 do. On the weekend we just dance, do 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 do. If you can't get down, I gotta pick me up. Gonna meet you at the bar where we do that talk. Oh, the phones are lighting up. Oh, the faces lighting up. Now the fire's alight, but I don't know whether we're gonna remember. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. Do 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 do. On the weekend, we just dance. Do 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 do. On the weekend, we just dance. Do 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 do. On the weekend, we just dance. Do 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 do. All we need is rhythm. I don't need no reason. Stop me if I'm making sense. All we need is music. Catch me if I lose it. I don't want to fall again. On the weekend we just, on the weekend we just dance. On the weekend we can let our head.
head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we just dance. Do 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 do. On the weekend we just dance. Do 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 do. On the weekend we just dance. Do 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 do. On the weekend we just dance. Da 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 da. Single, ça sent fort le tube de l'été cette histoire, le nouveau single de Charlie Winston qui s'appelle The Weeknd, il va y avoir un album, on en parle avec toi Charlie. The Weeknd, alors qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson? What is this thing about? C'est très simple, et c'est juste on the weekend, c'est le moment pour réfléchir. Merci beaucoup. relax and just and dance like the way to express, you know, all the stress from the week. Danser, en fait, danser pour évacuer tout le stress de la semaine. C'est simple, c'est universel. Il y a un truc qui est fascinant avec toi, c'est cette aptitude à fabriquer des tubes. Comment ça vient, ces gimmicks, ces mélodies? You know, what I said, the way you make the songs are, I don't know, it's amazing because you're able to make hits, you know. How do you find the gimmicks or things like that? It's in your head, c'est dans ta tête, comment ça se passe? Well, j'ai grandi avec une famille qui jouait de musique, toute la famille, mes parents aussi. Et depuis que j'étais très jeune, mon père et mère, tout le temps, montraient la musique, mais demandaient qu'est-ce que tu peux écouter, la basse, les batteries, mais aussi la façon pour écrire les chansons. C'est, I had les professeurs très très jeunes, donc c'est pas toujours facile parce que quand j'ai écrit les chansons, quelquefois j'ai it's important. I'm very not precious because it's très facile d'être trop précieux quand tu écris les chansons. Mm-hmm. Mais what do you mean when you say precious? Well, si je fais les idées au mal, the bad melody, ou si les idées sont mauvaises, c'est difficile comme on chante, comme on écrit, gager tous les idées. Mais moi, quand j'ai essayé d'écrire une chanson, j'ai essayé ça, non, c'est pas bon, ça, essayer tous les. C'est le perfectionnisme en fait dont tu parles. You're sort of a perfectionist. You don't need to be a perfectionist. Yeah. That's what you're saying. I'm saying that no. L'opposite. Il faut no, être. No, but I en fait, I'm going to say this in English. Yeah, in English. When I write a song, a good metaphor is to une think bonne that, métaphore pour décrire l'écriture d'une chanson. I imagine myself like in the jungle, trying to find the space that I can make my bed. C'est cool. Quand il écrit une chanson, il s'imagine comme dans une jungle, en train d'essayer de trouver un espace pour construire sa cabane. So I'm with my knife cutting here and cutting, trying to find a pathway to. Il essaie de se frayer le passage à travers la jungle en fait, vers la chanson. Et à un moment, en fait, l'idée, c'est aussi de rendre simple des choses compliquées. When you make it complicated things, try to make it simple to make it here to the people. I didn't quite understand that. Mathilde, tu vas traduire ma question en fait. Je veux dire, quand on fait un tube, en fait, c'est que les choses sont simples, même si c'est une mélodie compliquée. When you make a hit song, the idea is to make something complicated becoming very simple to the ear of everyone. To make it universal. Well, simplicité, c'est compliqué. Et toujours, quand on trouve quelque chose de simple, quand tu ouvres the thing, c'est pas très simple dedans. À l'intérieur. Donc, pour moi, le craft, l'artisan, c'est une illusion. Je donne une illusion. Mais il y a des chansons qui est juste simple aussi. Donc ça dépend dans la chanson, c'est comme un enfant.
Do you remember the moment when you started creating this the weekend this song? Est-ce que tu te souviens quand quand t'as créé cette chanson? I was in the south of France. Dans le sud de la France. Oui, dans la maison de mes beaux parents. Ouais. Je pense qu'ils écoutaient maintenant. Bonjour, monsieur. Coucou. On était là pour vacances, nager chaque jour, et c'était cool. Mais aussi, mes enfants, j'ai deux enfants maintenant, ils dansaient tout le temps. Quand j'ai joué la guitare ou quelque chose, juste naturellement, like they were possessed. They just started to dance. So c'était possédé par la chanson. L'inspiration, c'était juste quelque chose de très léger. On va écouter une autre chanson. Alors, tu as accepté de nous faire une reprise. It's now time for the cover, you want so. Okay. Alors, la reprise, en l'occurrence, on va débriefer tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est d'ailleurs venu nous rendre visite ici à RTL2. Il s'appelle Hagen Bunman. La chanson, c'est Human. On l'écoute, version Charlie Winston. Et on continue de bavarder avec Charlie, notamment de cet album qui va bientôt arriver. On sait comment il va s'appeler. Hein. Il va s'appeler Square One et sortira le 28 septembre prochain. Très bien, on en parle tout à l'heure avec Charlie. Mais pour l'instant, la cover, Hagen Bunman, quand tu veux, Charlie. Maybe I'm blind, and I can see through this and see what's behind. I can see through this, and maybe I'm blind. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? By what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Opinion, don't ask me to lie or beg for forgiveness for making you cry. For making you cry, 'cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Charlie Winston qui reprend Hagen Bunman et cette chanson Human. D'ailleurs, je me demande si Hagen Bunman. Oh là, il y a un petit Larsen, voilà. Je me demande si Hagen Bunman, il n'a pas habité Brighton comme toi. Hagen Bunman is from Brighton. He used to live in Brighton as well. Yeah. Tu le connais? Oui, j'ai habité là aussi. Ouais. Have you ever met him? Non. Tu l'as déjà rencontré? Non, jamais. Mais j'ai connais beaucoup de gens qui la scène. Il connaît un petit peu la scène qui l'entoure. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson? Why did you choose that? It's just a wonderful song. J'adore cette chanson. Mm. C'est pas qu'il est de Brighton. C'est juste quand c'est
sur la radio et j'ai un gros grand critique pour les chansons sur la radio, mais sa chanson, c'était une préférence. Est-ce que parfois tu es jaloux quand tu entends une chanson de quelqu'un d'autre? Oui, quelquefois. Pour cette chanson, c'est une chanson que j'ai souhaité écrire. J'aurais aimé l'écrire. Oui, exactement. Bon, alors, on va parler de tes chansons. Mais c'est pas jalousie, ouais, c'est juste envie. Oui, je comprends. Ton nouvel album s'appelle Square One, il va arriver le 28 septembre prochain. Et toutes les chansons ne sont pas aussi légères que The Weeknd, aussi enthousiasmantes. Tu vas parler de beaucoup de choses qui te touchent, tu vas parler des réfugiés, du Brexit. C'était un besoin de parler de tout ça. All the other songs on the future record, they're not as light as The Weeknd. You're talking about a lot of deep stuff like Brexit, refugees, problems. That was an urge, a need to talk about all that? No, it was just that I want to talk about real things. There's only so many songs I can write about love or light things. I am a light person. I'm a happy person. Il est plutôt quelqu'un de lumineux et d'heureux, mais il avait besoin quand même. But I'm a big thinker, and mais il réfléchit beaucoup. And I'm always thinking about people who suffer. There's a lot of suffering in the world. And il pense beaucoup à la souffrance des autres. And I think talking about suffering in the music is a way to share experiences. Mm. Et parler de la souffrance dans la musique, c'est un moyen aussi de partager son expérience. And to empathize also. Et de l'empathie surtout. L'empathie. Mais d'ailleurs, quand on y réfléchit, peut-être que le hobo, c'était un réfugié. Maybe the hobo was a refugee too. Yeah, kind of. I mean, we're all hobos originally. Yeah. On est tous des vagabonds finalement. You think you're French? I think if you look into your DNA, you're probably not French. Tu crois que t'es français, mais si tu regardes un peu en arrière, t'es probablement pas français. Ça. Et juste pour en revenir aux chansons, tu as écrit dans un de tes albums une de mes chansons préférées, et je suis jaloux de ne pas avoir le talent de l'écrire, qui s'appelle I Love Your Smile. It's a beautiful song. C'est une chanson, à toi. It's one you like. Yeah, and j'aurais adoré être capable de l'écrire, cette chanson. C'était une chanson qui... En fait, c'est le... the genesis de la chanson. C'est originé de anger. La genèse de la chanson, c'est de la colère. Colère. Et so a way to work against that is just to say to that person, I want to see your smile. You know, you have a beautiful smile. Et pour aller contre la colère, en fait, c'est dire à la personne, en fait, montre-moi ton sourire. Encore, c'est quelque chose de très simple, mais en dessous, c'est plus compliqué. Je comprends. Mais d'ailleurs, c'est le genre de chanson, en effet. Écoutez cette chanson de Charlie Winston qui s'appelle I Love Your Smile. C'est une chanson, justement, qu'on écoute quand t'es dans un bad mood, quand t'as de mauvaise humeur. Tu écoutes cette chanson et ça te fait du bien. C'est ça, les chansons. If it makes me happy, you mean? Me. Oh, it makes you happy. I said that to the audience too. Je pense que les auditeurs aussi. L'album. You can sing it for me. Can you sing some for me, please? Oh, no, can you please. Sing it for me? No, no. C'est le meilleur moment please, de cette journée pour moi. Okay, no. I get my guitar. You sing a little bit. Okay, no, you sing for me. Okay. No. Ah, I'm asking you. Okay, let's do it. But just after the commercials. And then after that, I promise I'll try it. Are you ready for a big one, people? Oh, le piège! C'est le meilleur moment sur RTL 2. Très bien. Ok, la pub et on essaye I Love Your Smile. Ok, you play it for us, right? Yeah. What, okay. The whole song? And you sing it? Oui, no, ok. I don't know the words. Mais oui! Ok, vas-y, envoie la pub, Thomas, on a vu. Hey! RTL 2 sur RTL 2, vous êtes dans le drive, bienvenue à tous et nous allons vivre un moment absolument exceptionnel, je jubile hein, personnellement, j'ai juste envie de le partager avec vous. Charlie Winston est notre invité depuis 18h et il s'est passé quelque chose, une espèce d'euphorie s'est faite entre Charlie Winston et Eric Jean-Jean et ils vont vous proposer maintenant un duo sur la chanson I Love Your Smile et vous avez eu 3 minutes pour répéter mais c'est maintenant en fait que vous allez chanter, on est en direct à l'antenne et oui. On l'a refait alors c'est ça Mathilde. Et c'est ça, vous allez pouvoir. T'es prêt Charlie? Oui. C'est vraiment un pari, c'est un pari à la con, on est d'accord. Ok. Ok, attends. Et là, il y a tout le monde qui est en train de me regarder, de me filmer. On y va quand tu veux. 1, 2, 3, 4. Darling, I hate to see you so angry with the world. If people want a piece of you and they're missing something. For themselves, maybe it's selfish of me to look at
you and say, oui, come on. Come back to me, girl, I love, and I'll stay. Cause I love, c'est beau, your smile. Ah oui, c'est trop beau. Yes, I love, oops, your smile, oops. Oh, I love, oh no, I forgot the lyrics. Your smile, more than you know. Voilà, merci, ça c'est fait. Pour ce bon, moment. On vient te retrouver, Mathilde. Exceptionnel. If you say this is pop, you'd be singing to a tune with a rhythm like this. Would it be so unpopular? A singer like me to be bringing up the fact that we're all gonna go. Some people swear, they say they know where. For me, it's a mystery. But whichever way you see it, you have to admit it and live it and live it. Two more months. We all get the bucket in the end. The end. Listen. Ah, two more months. All get the bucket in the end. The end. Hey, vous. Up my TV, it was numbing my brain to be thinking this is bon. It is really the last thing, thing. I lose. J'ai perdu, je suis perdu. It's you, ici, c'est toi. J'ai raté mon rythme. Attends, c'est un visage. C'est parce que j'étais en train d'essayer de faire le rythme avec la commande. T'es prêt? T'es prêt? Oui. I blew up my TV. It was numb in my brain to be thinking the same as a million other people, all feeling afraid of the same thing. But there's nothing to lose, 'cause we're all on a bike and we're cycling through, getting off on our injuries. But you gotta get back on it and live it to love it and live and love life, 'cause we all get the bucket in the end, the end. Ah, all the girls get the bucket in the end. We all get the bucket in the end, the end, the end, the end, the end. This is not a sad song. I don't bring it up to get you down. It's a celebration. While the word sails going round and round in our body. I don't mean to preach, I just sound like a teacher. I only want to catch the crowd, but looking back, everybody's eyes are trailing. Solo! Ah oui, c'est super ça. Je pense qu'il a pratiqué ça pour un mois. Je me suis entraîné, tu peux même pas imaginer. We all get the bucket in the end, quoi. Ah, aidez-moi. All the girls get the bucket in the end, nah, and the boys get the bucket in the end, my friend. Ah, hey, we all get the bucket, we're gonna get a bucket. Charlie Winston et Eric Jean-Jean, bientôt sur les routes, hein, s'il vous plaît. Eric Jean-Jean au claquement de doigts, absolument incroyable. Je rappelle quelques dates de concert pour Charlie Winston. Le 29 juin au Festival Ferte Jazz à la Ferte. Le 30 juin au Festival Wolfi. Le 27 juillet à Albertville. Et le 4 août au très joli Festival Diamond Fest à Nice. Charlie, on est d'accord, tu m'as fait faire un solo de claquement de doigts. Ah non, 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 avec toi chaque fois maintenant. Ah pardon. Si c'est possible, tu peux jouer avec moi sur scène chaque fois. Il n'y a aucun problème. Parce que j'apprendrai les paroles d'I Love You Smile. Mais c'est dur à chanter quand même, c'est très difficile. Quand tu chantes, quand tu montes un peu là. Oui, c'est un peu Mathilde. Aigu. Ah, moi, écoute, moi j'ai chanté dans mon coin, j'ai claqué des doigts, tout allait très bien, c'était parfait. Oui, merci. Bon, est-ce que tu as hâte de remonter sur scène, Charlie? Oui. En fait, ça commence un petit peu maintenant parce que j'ai fait trois festivals déjà.
Mais c'est cool parce que Square One, le philosophie de Square One, c'est retourne de la de au début de retourner au début. Tu peux y aller en anglais si tu veux. Thank you very much. Thank you. I forget that I'm English. That's right. it's to come back to the beginning of being a musician and. Which is basically, I don't know what I'm doing, you know, when we start something. Square One, donc le titre de son futur disque, en fait, c'est pour retourner à l'origine même d'être musicien et de ne pas savoir pourquoi tu l'es. And it's okay to not know. Mais c'est ok de ne pas savoir. Mais parce qu'en fait, comment dire, est-ce que le succès a été quelque chose de difficile à vivre pour toi? I think success is difficult for anybody. I cannot imagine whose success doesn't challenge. Ouais, le succès c'est difficile pour tout le monde en fait. Il peut pas imaginer quelqu'un dont le succès n'est pas un challenge personnel en fait. But the thing is that most people don't really talk about it because it's vulnerable. Mais les gens n'en parlent pas parce que c'est de la vulnérabilité. Parce que la conversation qu'on a eue tous les deux, enfin tous les trois d'ailleurs avec Mathilde avant de commencer cette émission, j'avais en face de moi un homme tout à fait normal, père de famille, deux enfants, qui fait du sport, qui parle de sa femme et voilà. Et est-ce que de temps en temps tu te transformes en Charlie Winston de chanteur ou est-ce que c'est pas un peu compliqué pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Non, maintenant j'ai l'envie d'être simple dans ma vie. Parce qu'avec les enfants, ça fait beaucoup. Ça utilisait beaucoup d'énergie. Ah oui, oui. Quel âge? So 4 et demi et 1 an et demi. Ah oui. So it's really. It's just keeping things simple is important. Voilà, Mathilde. Tout va bien. Voilà, c'est un nouvel album. On est hyper content de t'avoir reçu. Merci, c'était vraiment un moment magique de merci radio. Merci beaucoup. Ouais, pour moi aussi. C'était mémorable. Alors, c'était un moment très très beau de radio, mais je pense qu'en vidéo, c'était pas mal aussi. Vous pouvez voir tout ça sur la page Facebook RTL2 et du Drive RTL2. C'est la deuxième fois de ma vie que je chante à la radio. Merci beaucoup. Ok, cool. Merci beaucoup. Je rappelle que l'album va sortir le 28 septembre, Square One. Il y a quelques dates de concert. Vous pouvez aller voir tout ça sur la page Facebook de Charlie Winston. Promis, tu reviens chanter avec nous en septembre pour présenter l'album. Ok, avec plaisir. On chantera avec Mathilde cette fois-ci. Promis. Merci, c'était Charlie Winston. C'est la fin de cette émission. Alexis, je vais me remettre de mes émotions. J'ai eu un petit coup de chaud. C'est ça, ouais. Merci Charlie d'être venu. Salut Alexis. Merci Mathilde, à tout le monde. Salut, au revoir. Merci.